6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 7h33, on est jeudi, c'est le 9 janvier 2014. Et je sais la question que vous êtes posée tous ce matin en vous réveillant. Quoi? Qui a les plus belles fesses du monde? J'ai la réponse. Ça arrive juste après les infos dans 3 minutes. On s'écoutera le nouveau Corneille. Le Super 06, c'est dans moins de 10 minutes le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Mais tout de suite, c'est les infos. L'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, les nuages sont encore nombreux ce matin sur le 84, mais ils vont tout doucement laisser passer des éclaircies de plus en plus larges au fil des heures. Les températures avec 16 degrés qui devraient s'afficher au meilleur. Il fait 9 de suite à Avignon, 5 à Carpentras et Orange. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. L'affaire Dieudonné, le premier spectacle de sa tournée à Nantes aura-t-il lieu ce soir? Le préfet dit non, mais l'humoriste a saisi le tribunal pour annuler l'interdiction. Réponse dans la journée. Concernant son passage prévu au parc des Expos d'Avignon mi-février, on devrait être fixé d'ici 15 jours. Dieudonné fait polémique depuis plusieurs semaines pour des sketchs sur les Juifs et la Shoah notamment. Dans l'actu également, ce fait divers à Carpentras, on l'apprend ce matin, mais le 2 janvier, un homme de 28 ans s'est tué chez son médecin alors qu'il venait le consulter. Pris d'une crise d'angoisse, il s'est poignardé devant sa mère et une quinzaine d'autres patients présents dans la salle d'attente. L'homme souffrait de troubles psychiatriques et devait dans la journée être pris en charge par les urgences psychiatriques du pôle santé. L'actu sociale, un espoir d'amélioration dans le conflit qui bloque le trafic à la SNCM. Une table ronde s'est tenue hier soir à Paris entre le ministre des Transports et les syndicats de la compagnie maritime. Jugée constructive par les représentants syndicaux, cette réunion sera détaillée aux salariés ce matin. Ils se prononceront ensuite sur la poursuite ou non du mouvement de grève qui paralyse le trafic passager entre Marseille et la Corse depuis le 1er janvier. Il est au top, Stromae cartonne en ce moment avec son second album Racine Carrée. Le chanteur prévoit une tournée des Zénith à partir du mois de mars. Il a déjà testé son spectacle dans des petites salles à travers la France fin 2013. Un show déjà bien à bout et qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Bah j'ai mis un peu plus en avant la chorégraphie, comme ça avait déjà été le cas dans Papa Outé. C'était une volonté collective et donc je suis un peu fatigué, il est vrai, mais bon finalement c'est plutôt plaisant quoi. Donc il y a je danse avec des écrans, je fais le con, je me déguise, je pleure aussi. Voilà, on va pas tout dire, mais en gros j'essaye de divertir de plein de manières différentes. Stromae passera par Montpellier en mars le 28, puis Marseille le 30 avril, puis à Nîmes dans les arènes. Ça c'est pour le 24 juillet. Toutes les dates de sa tournée sont sur énergie.fr. Et puisqu'on parle de dates, je vous rappelle que vous avez jusqu'en février pour la course aux bonnes affaires. Dans une demi-heure, on vous écoutera après une première journée à faire les boutiques. 7h36 sur Énergie Avignon. Très bon début de journée à vous avec Manu sur Énergie. Finis mon niveau et j'arrive. Tellement la phrase quand ma petite femme m'appelle en me disant que le repas est prêt. Et c'est bon parce que quand on joue à un jeu vidéo, on n'a pas la même notion du temps. C'est vrai. 2 minutes en fait, c'est 25 minutes, on s'en rend pas compte. 7h37, merci d'être là, merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée. C'est jeudi, on est le 9 janvier 2014, c'est Manu dans le 6-9. C'est peut-être la première fois que vous nous écoutez. Et ben, on est là dans un studio de radio et on parle avec vous. Et oui. Et voilà, on a cherché les concepts. Hein. On a cherché les idées, mais on n'en a pas eu. Donc on a dit tiens, on fait ça. Et ça marche. On est là avec vous comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Bonjour. Auriane est au standard. Coucou. Toute l'équipe est là. Ouais. Le Super 06 arrive dans moins de 10 minutes pour vous. C'est un numéro de téléphone portable qu'on a mis en place et qui peut vous sauver la vie. La preuve, dans moins de 10 minutes, vous allez vous régaler. Il y aura de l'homme tout mou. Ah bon? Il y aura de l'homme tout mou et de l'homme qui aime le suspense. Ça n'a pas manqué, c'est dans le Super 06 qui arrive dans moins de 10 minutes. On va s'écouter le nouveau Corneille. Il y aura Avicii avec Hey Brother. Mais avant ça, je vais vous parler des plus belles fesses du monde. Alors? Qui a les plus belles fesses du monde? D'après vous, honnêtement, quelle est la femme qui a les plus belles fesses du monde? Mélanie. Jennifer Lopez? Elle n'est pas dans le top 10, ah bon? Jennifer Lopez. Moura de réalisation? Bah, Pippa Middleton. Pippa Middleton est dans le top 10. Ah. La sœur de Kate Middleton. Auriane au standard? Beyoncé y est, c'est sûr. Beyoncé y est aussi. Ouais. Nico du Web? Rihanna. Rihanna? Non. Non. Elle n'est pas dans le top 10. Ouais. Alors écoutez bien, alors c'est un sondage anglais, c'est peut-être ils ont peut-être pas les mêmes goûts que nous. Ouais. C'est un magasin en Angleterre qui a sondé quand même près de 2000 femmes pour savoir quelle star féminine avait les plus belles faces du monde. Dans le top 10, ah si pardon, il y a Rihanna. Ah, exact. Voilà. Pardon, je suis désolé. Je vais me fouetter.
Il y a Rihanna, il y a Kim Kardashian, il y a Beyoncé, il y a Kylie Minogue, il y a Pippa Middleton, il y a aussi sa sœur, Kate Middleton, qui s'est mariée. C'est pas bien de regarder les fesses des femmes mariées. Et en numéro 1, et je la connaissais pas, est-ce que vous connaissez Kelly Brooks? Ah non, non. Moral à réalisation? Ah ouais. Ouais, je l'ai vue dans un magazine de ma copine, un magazine People, parce qu'elle était seins nus dans un magazine. Et je peux te dire que la... Quel est ce magazine? J'adore la mode. Quel est ce magazine? Ça devait être Closer ou Public. Et ben, elle a pas que les fesses de très beau. C'est une actrice, c'est une mannequin anglaise. Ouais. J'ai les photos devant les yeux. Et parce que j'aime la mode, je vais vous les mettre sur manu.com. Je vais vous mettre les photos de Kelly Brooks et de ses fesses, puisque ce sont ses fesses qui nous intéressent. Ouais. Hein. C'est pas moi qui ai fait le sondage. Hein. Ah bah non. Il y aurait eu un sondage sur les aspirateurs, j'en aurais parlé. Là, ils ont fait un sondage sur les fesses. Je vous mets sur Manu dans le 69.com les photos des fesses de Kelly Brooks. Ce sont, selon les Anglais, les plus belles fesses du monde. C'est vrai que... Il y a de quoi. T'as pas envie de faire du tam-tam dessus. Hein, je crois que t'oses même pas les toucher. Ah ouais. Je vais les abîmer. Allez, 7h40, voici Corneille sur Énergie. Bon réveil.